Et bonjour à tous, allez, on est parti pour le GameCube Challenge Jungles. Bonjour à tous, alors on est reparti sur Metroid Prime, hein, on continue l'aventure Metroid Prime sur le GameCube Challenge. Voilà, allez. On est à 20% du jeu en 5 heures de jeu. C'est énorme. On n'avance pas. Je pense qu'il y en a qui le font en 1h40. On compte y arriver d'ici la fin de la semaine quand même, je pense. Ah bah non, on est mardi déjà. Bien. Ouais, ça peut dépendre de plein de choses. Il suffit d'avancer coup sec et puis voilà, on n'en parle plus. Donc on va voir. Où j'étais. Oui, là il y avait une. Voilà, là ici il y a plusieurs chemins à prendre, on va les prendre. Voilà. Enfin, il y a une porte là-haut. Il y a une autre en face, mais qui n'est pas ouverte. Bien fait chier toi. Bon, au moins détruit déjà la première tourelle. Voilà, tuer tous les ennemis pour débloquer la porte. Hein. Ah, j'ai trouvé la carte. J'ai jamais eu la carte encore dans ce niveau-là. Je crois même en bas, je l'ai pas. Carte téléchargée. Et puis là, on voit qu'il y a pas mal de trucs à faire. Putain, ouais, je suis mal barré. Là, il y a le gros dôme. En fait, ce qui est bien, c'est comme ça, au moins, je vois où c'est que je suis déjà passé, où c'est que je suis pas passé. Dans cet endroit là, là. On voit que j'avance, donc il y a que cette porte là pour l'instant que je pouvais pas ouvrir, il manquait l'électricité, donc il faudra que je gère, mais là, il faudra que j'aille ici. Au moins on a la carte, on sait un peu plus.
pour l'énergie, hein, pour le reste. L'accès au laboratoire, ok. Alors là, il va y avoir des mobs, hein, comme d'hab. C'est trop bizarre qu'il y ait encore la musique et que je voyais plus personne. J'ai l'impression d'être déjà venu ici en fait. Hein. Sans mentir, c'est exactement la même salle que tout à l'heure, quoi. Y a pas une salle qui ressemble à un autre endroit de ce truc-là, là, parce que. Hier, là, si, peut-être celle-là, non. Et une autre que j'ai faite qui ressemblait énormément à ça. Ah mais si, j'avais déjà fait tout ça. Attends. Mais ça, je l'avais déjà fait hier. Juste que j'avais sauvegardé, je m'étais barré. Oui, donc on va pouvoir relire tous les trucs. C'est pour ça qu'elle me disait quelque chose depuis tout à l'heure, ce que je faisais. Je me disais, mais j'ai déjà fait tout ça. Donc on les a déjà lus, hein, live d'avant. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. En même temps, on monte le pourcentage, hein, si on peut le monter un petit peu. Je pense que je suis très loin des pourcentages qu'il faut pour finir le jeu. Alors, il n'y aura pas de 100%, hein, c'est pas possible. Yo Ariane, coucou Zetsu, comment allez-vous aujourd'hui? Tout le monde arrive en même temps, et donc. Avouez, vous étiez tous les deux l'un à côté de l'autre, main dans la main. Je viens de découvrir votre petit secret. Je dis rien. Écoute, je vais bien, je te remercie Zetsu. Ça, je l'ai déjà lu hier. Hier, j'avais fait ça, puis j'avais sauvegardé comme un barbare. J'avais complètement zappé, donc on va refaire jusqu'au point où j'avais sauvegardé. Écoute, ça va très bien. Je te remercie, Ariane, en ce qui me concerne. Hein. Comme Zetsu va bien aussi, donc tout le monde y va bien. On a lu tout ça hier, hein, donc... Je crois qu'il y en avait aussi au plafond. J'avais regardé hier. Pour, ouais. Voilà. GG pour les vacances. Du bien, hein. Dis ça, moi, ça fait 6 mois que j'ai pas bossé. Hein. Moi, je serais plutôt content quand le jour où je reprendrai le taf, tu vois. Pour un con, je me souvenais que t'étais là, toi. Il va tarter PO, t'as bien raison. Tu vois, en parlant de PO, t'as vu hier au pur, je te disais, il gueulait, un gars gueulait par rapport au fait que bah, il fallait arrêter la saison. Il a renvoyé un tweet aujourd'hui disant qu'il reprenait la saison, que c'était qu'un coup de gueule, quoi. Ah, j'avais raison, je l'avais vu venir.
Je le connais un peu le loustique. Et puis t'inquiète, si tu veux, ce soir, hein, je continuerai de t'aider à avancer comme on avait fait hier. Hein. Voilà, comme tu le sais, tous les jours à cette heure-là, le GameCube Challenge. Vas-y, farm, hein. De toute façon, ouais, faut que tu rattrapes un peu ton retard, quoi. Après, le meilleur moyen de farmer, c'est de tenter un petit peu le lab, hein. Sinon, ça marche bien, ça aussi. Hein. Tu rentres au début du lab et puis tu farm. Hein. Ça marche super bien. Hein. Tout le monde le sait que le lab est blindé d'objets. Hein. Sachant qu'en plus, les premiers labs sont gratuits, donc tu perds rien, quoi. Et toi, Ariane, alors? Ça y est, bientôt les vacances aussi. Vendredi, si je me souviens bien. Y a le mot vacances. Hein. Il est trop loin, il peut pas le prendre, faut que j'y retourne. Samedi. Ouais. Samedi dans la journée, vers quelle heure est-ce que tu seras en vacances? Prolongé, mais. Je suis blasé, une nana a pris un anniversaire le dernier jour de mon taf. Ah, les enfoirés. Après, voilà. Au moins, t'as été réglo. Toi, dans ton boulot, c'est que tu vas jusqu'au bout, quoi. J'en connais beaucoup qui auraient déjà abandonné. Hein. Qui auraient déjà fait n'importe quoi. Hein. C'est bien, tu restes réglo jusqu'au bout. J'ai raté ça, le truc qui bouge pas. Je devine à quel point je vise bien. Et d'ailleurs, Ariane, parce que je t'ai pas vu depuis, j'ai un petit message à te filer. Zetsu pourrait te le dire aussi. Le coffret Dijonais est prêt. T'as dû en entendre parler. Hein. C'est-à-dire, il sera gagné dans le live de vendredi soir. Toi qui es une grande habituée du live, quand même. Ah bah c'est le but, hein, c'est de vous faire saliver à bloc. Hein. Coffret Dijonais est attendu et. Mais ça me plaît au moins. Parce que quand j'ai lancé l'idée, je me suis dit, pas sûr que ça plaise. Je tente un truc qui n'a pas été tenté avant sur internet. En stream, hein, je parle. Et je suis pas sûr que les gens soient fans de l'idée. Et ce que je vois, c'est vos retours. Et franchement, ça me donne envie d'en refaire plus tard, quoi. Donc moi ça me plaît que vous saliviez. Bah, c'est le soir, c'est dans le live du soir quand je serai sur Pass of Exile. Pour qu'il y ait le plus de monde possible capable d'être présent quoi. Donc si t'es là le soir, et bah t'as des chances de le gagner quoi. Il suffit juste d'être présent sur la chaîne, avoir follow la chaîne, ou alors si tu n'es pas là, malheureusement les seuls que j'inscris d'office sont les subs et les donateurs. Je pense que c'est normal. Non mais faut pas que ce soit. Le don faut qu'il soit fait par envie quoi. Faut pas que ce soit fait pour un coffret. Après, si franchement ça vous intéresse, moi je peux vous donner les liens des gens qui m'ont permis de faire le coffret, hein, les artisans. Il y en a beaucoup qui sont sur internet hein, d'ailleurs. Enfin, j'étais que chez deux artisans. Je suis vraiment désolé, Ariane, mais c'est vrai que la journée, tu vois, par exemple, là, je vais tourner des fois à 5-6. Le soir, je tourne à 12-13 personnes, donc il y en a beaucoup qui travaillent pas le soir.
Et voilà, Zetsu, moi, si franchement ça vous intéresse, après vendredi, donc à la fin du live, je peux vous donner les liens internet de ces personnes-là, quoi, pour que vous puissiez vous-même commander et voir le truc, quoi. Je suis pas sûr que les deux face à ces trucs-là. Là, j'ai un petit doute quand même en ce qui concerne l'un d'entre eux. Pas sur internet, mais ils doivent avoir un site, quoi, obligatoirement. On avait lu aussi. Non, on s'est arrêté là. La carte holographique du système solaire est verrouillée conformément à la directive de sécurité 223445. Ok. L'écran holographique a été initialisé. On va voir quelque chose qu'on n'avait pas vu. Je suis navré pour toi, Ariane. Franchement, ça m'ennuie parce que t'es inhabitué. Et la terraformation des ruines Chozo vient de commencer. Le système de sécurité sont fonctionnels et l'équipe scientifique continue à progresser dans les recherches biotechnologiques. Le mont d'Eferendra sont une région optimale pour héberger notre centre de recherche. Nous avons prévu d'y annexer une base de défense opérationnelle et un module d'amarrage. Si le commandement a vu juste, nous devrions dominer ce secteur en l'espace d'un décacycle. L'heure de gloire semble être arrivée. Ok. Le nœud intérieur de projecteur holographique astronomique est actuellement désactivé. Ok, ouais, donc il faut que je réactive tout ça. Voilà, il me redonne tellement de missiles que ça pue le fight. Et que je suis pas le mec le plus intelligent du monde, mais ça j'arrive à le comprendre. Ah bah je suis désolé pour toi Ariane, tu vois, ça m'ennuie un petit peu. Ah bon, c'est sûr que c'est logique que je fasse ça plus dans le moment où il y a le plus de monde. Mais je pensais pas que tu travaillais le soir en fait. Ah, tu travailles pas, voilà, t'as un pot de départ, c'est pas la même chose. Ah bah ouais, mais c'est gentil déjà de leur part, il y en a plein de boulot où ils en ont rien à foutre de ta gueule. Bon, faut que j'aille où, là? Là-haut? Moi, je trouve ça cool, hein, que ton boulot ait pensé à toi pour un petit pot de départ. Je me suis pané la gueule comme une grosse merde. Allez leur dire, c'était pas le bon moment, quoi. Sérieux, il y avait un coffret Dijonais à gagner, quoi. On va reporter ça à jeudi. Je sais pas trop ce que je suis en train de foutre là. J'active une machine, mais ça se trouve c'est la machine qui va me buter après quoi. Alors, faut le faire, donc je le fais. Non, c'est pas ça. Après, au moins, tu seras la reine de la soirée, hein. Vendredi, hein, à ton boulot. Le dernier. Termine à 19h30 ton pot de départ. C'est bon, le soir c'est 21h chez moi. À partir de 21h, c'est pas 21h qui sera fait le tirage.
Salut Dark Bob, je débarque, je dis bonjour à Bison Blanc et aux autres, je fais des bisous, follow. Je follow et on se revoit plus tard. Et ben merci beaucoup pour ton follow Dark Bob, bienvenue parmi nous et puis bah amuse-toi bien là où tu vas, reviens avec plaisir alors. Ce fut un plaisir de te voir, Dark Bob. Beaucoup pour ton follow. Qu'est-ce que je viens d'activer comme connerie, moi? Il vient de chez Dreadoom, je l'ai vu chez Dreadoom, Dark Bob. Non, là ça pue, je peux pas. Je dis ça tout à l'heure, je suis monté pour aller chercher la boule, je crois. Ouais, donc on peut. C'est que cette grosse bouboule. Qu'est-ce que j'ai activé comme connerie, moi encore? Planète Bilium. Profil en quarantaine. Ah, j'ai pas envie. Attendez, l'affectif, ça joue aussi. À force Eh d'être bah ensemble, amuse-toi des bien liens avec se créent, Dreadoom et c'est merci obligé. beaucoup pour ton Des follow. liens se créent? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, son atmosphère est infestée de particules de Mitteralis, un virus fatal. C'est-à-dire, faut pas y mettre les pieds, sinon t'es mouru. Et donc on va pas y mettre les pieds. Nous, on n'a pas envie. Toi. À grand plaisir, Dark Bob. Merci beaucoup encore. Cette entrée a été téléchargée vers votre banque de données Planète Zeb. Heureusement qu'il n'y a pas eu un E, un U entre le E et le B. Hein. Planète Zeb, pas eu trop l'envie d'y aller, quoi. La croûte de cette planète. Oh putain, Planète Zeb, et direct, ça commence par la croûte de cette planète. Je suis désolé. Ça donne vraiment pas envie. Se compose essentiellement d'urtique, un minéral idéal pour les constructions souterraines. Planète de classe 19. Zeb est une terre hostile pour la plupart des formes vivantes. Ouais. Cette planète quelconque devint la terre de prédilection des pirates de l'espace qui y installèrent leur base. Ah, c'est dégueulasse la planète Zeb. Ça, je l'ai déjà fait, la planète Bium. Ah, tu termines le boulot, puis ensuite tu commences le repas de Noël, ouais. Planète Tabula Rasa. Oh non, Gemini. Cette planète est réputée pour sa fièvre gémellaire, une maladie causée par une souche virale née sur cette planète. Dans un premier temps, la maladie se traduit chez l'individu par une déformation de la vision, c'est-à-dire tu deviens un peu aveugle. Qui se compose alors de deux images superposées? Ah non, t'as la VR! C'est cool! Tu vas sur cette planète, tu ressors, t'as la VR. Lorsque le symptôme de la double vision disparaît, la victime est quasiment morte. Ah, par contre, tu peux jouer qu'une fois. Hein. T'as intérêt à pas te rater dans le jeu. C'est un peu con. Ah, c'est la planète VR en fait. Moi, je t'ai déjà eu. Ah, je t'ai pas eu. Talon 4, donc là où nous sommes. Talon 4 était autrefois une terre paradisiaque pour tous les êtres vivants. C'est ce qui ressort de l'étude de son écosystème. Ce havre de paix a été ravagé par un météorite qui a introduit un minerai fortement radioactif. Le phason. Directement exposé au phason, sa biosphère se désagrège progressivement, sa vitesse de décomposition est telle que Talon 4 deviendra un désert infertile de classe croix III, non, ouais, de classe 13 d'ici 25 années. Ça va. Ça va. Le jeu est sorti il n'y a pas 25 ans. Le dispositif est déconnecté rapidement. Ouais. Donc là, j'ai fait. On a réussi à voir toutes les planètes, toutes les conneries qui tournaient. Non, il en restait une. Ah! Planète Hormine. Profil des tempêtes de poussière nucléaire et des secousses sismiques sont le lot quotidien de cette terre hostile. C'est-à-dire, faut pas y aller, c'est pas bien. Il semble qu'il m'en reste un là-bas. Non, Tabula, je l'ai eu. Fonctionne normalement, ouais. C'est juste pour me dire que maintenant il fonctionnait. Bon, bah on a vu tout ce qu'on avait à voir. Je sais pas pourquoi, je sens que ça pue du derche. Au-dessus de moi, il y a bien une porte. Et je peux pas l'atteindre par là où je suis. D'accord, il y a. Pareil, je peux pas aller là-dedans. Je veux bien tenter, on va se péter la gueule. Ah bah, on s'est pété la gueule avant même d'y arriver, donc. On va retourner en arrière. On va reprendre cette porte.
Et il y avait un endroit où il n'y avait rien d'activé, là. Il manquait de l'énergie. Je sens que c'est là-bas qu'il faut que j'aille faire un tour. Quoique ça me titille quand même de tenter d'aller en haut. Hein. Ah, je suis trop titillé. Faut que j'essaye. Je sais, ça pourrait faire bizarre d'entendre ça me titille. Mais bon, je m'en fous. J'assume. Et donc là, ça sert à rien, c'est la boule que j'ai utilisée tout à l'heure, en fait, si je regarde bien. Ouais, voilà. Y a pas besoin. Non, mais c'est vachement loin, j'y arriverai jamais. Ah bah si. Bon, bah c'est moi qui suis un gros abruti qui sait pas regarder les distances. Missile. C'est un point de sauvegarde en plus, très important, bien sûr. Ok, on a réussi à avancer. Il y a un truc là au milieu pour moi. Ouais, donc là-bas, c'est l'autre côté qu'il faudra que je prenne, donc on ira après. On va regarder ce que c'est que ça. Super missile, ok, c'est juste un lot de super missile en plus. Ah non, c'est une autre arme. Je vais avoir les super méga missiles. Alors, mes missiles, vous venez d'acquérir le super missile, ok. Cette attaque surpuissante utilise 5 missiles. Activez le rayon de puissance, puis maintenez enfoncé le bouton A pour charger, puis tirer appuyé sur Y. Ok, donc si je comprends, je fais ça, ça. Et ça. Ok, ça y est. Ouais, par contre, ça me renvoie dans la gueule le truc. J'ai bien fait d'avoir sauté après. Alors j'aime bien parce qu'il te redonne énormément de missiles, ça pue. On arrive à un ascenseur. Qui monte. Voilà. Qui m'emmène donc dans la partie justement que je devais aller. Au bon signe. Il va bientôt y avoir un boss. Hein. Ne quittez pas, dans peu de temps vous allez me voir me faire démonter l'arrière-train. Rester poli, bien sûr. Il y a des enfants encore à ce temps-là. Je ne peux pas dire ce que je veux. Regarde un petit truc, moi. J'ai oublié de préparer un machin sur le live. Ça va pas me plaire. Désolé, hein, je prends deux petites secondes. Je prépare un petit truc rapide. En deux spi. Voilà. Voilà. Allez. Donc ça va me dire que ça continue. J'essaie quand même d'avoir un petit pourcentage sympa pour la fin. Je pense que je vais être très très loin d'un pourcentage réglo. Mais... T'es mort, on n'en parle plus, ok. En voilà d'autres, ok. Pas qui c'est ce mec.
crois qu'il y en a un de moins. Je sais pas où ils sont et c'est ça qui est chiant en fait. Non mais prends-le en compte s'il te plaît quand j'appuie sur les boutons. Ouais mais ça marche pas avec ça, j'arrive pas à les toucher. What? Attends, j'ai vu mes yeux dans le truc là. C'est assez extraordinaire ça. Voir les yeux de Samus comme ça d'un coup. Ah, quand on est touché, on voit les yeux de Samus. J'avais jamais fait attention encore. Oh putain, mais il y en a combien de ces blaireaux? Oh les blaireaux, on va se calmer là, au bout d'un moment, faut crever. Va falloir accepter de mourir. Et ne plus revenir. Je pense que c'est bon, ils ont accepté de mourir et ne plus revenir. Ouais, alors moi je me pète la gueule pour récupérer des trucs. Je suis pas sûr que ce soit worse en fin de compte. Rien d'autre à récupérer dans le coin, il n'y a plus de missiles, il n'y a plus de vie, il n'y a rien, donc je suis dans la merde totale. Yokaze, comment vas-tu? Oui, ça fait un petit moment que je t'avais pas vu, dis donc. I'll be back. Bon. Il n'y a plus de vie? Ouais, je viens de là, donc il faut que j'aille là-haut. Bon, juste parce que je suis feignant, je vais voir ce qu'il y a là déjà. Mais comment vas-tu alors? Le principal, c'est que t'ailles bien, hein, de toute façon. Là, il n'y avait pas de vie, ils se sont foutus de moi. J'ai besoin de vie, les gars. T'as bien de m'en donner. Quoi, t'as entendu un cri de fillette? J'ai fait un cri de fillette? Oh, ça se pourrait. Hein. Ma fille n'est pas là, donc ça m'étonnerait que ce soit elle. Sinon, elle est venue chez moi et je suis pas au courant. Elle se cache dans le placard. Et en ce cas-là, je l'engueule parce que demain, elle a école. Ah non, demain, non, on est mercredi, donc demain, elle a pas école. Enfin, un bisou avant, bien sûr, de l'engueuler, hein. Après, elles sont engueulées. Au moins le bisou. Ah, t'as lancé un jeu. Ah, voilà. Ouais. Bon, bah ça va alors. Si c'est le jeu. Je me disais, ça y est, il m'entend faire mes petits cris de fillette. Le micro est devenu trop sensible. Alors que je règle ça le plus vite possible, qu'on m'entende pas faire mes cris de fillette régulièrement. Et ça va, je suis sauvé alors. Et redonne-moi de la vie, toi, au lieu de me donner des missiles. Parce que à chaque fois, vous me filez des missiles, vous les espèces de merde de ce genre là. Vraiment, les missiles, je m'en fous là, donnez-moi de la vie.
Et quel jeu as-tu lancé, Layer of Fear? Pour avoir un petit cri de fillette, c'est possible. Hein. J'entends marcher. Et ça, il est mouru de décès. C'est une mort bizarre quand même, mourir de décès. Hein. Mais j'entends marcher, mais je les vois pas. Elles doivent être au-dessus de ma gueule. Ghost Recon Wildlands, il y a des bruits de fillettes dedans? Ah ouais? Injection du phason phase 6, sujet Metroid. La masse musculaire du sujet a augmenté de 180% par rapport au cycle de phason précédent. Le dosage a été augmenté de 4%. Putain, ils veulent le transformer en Rambo, le truc. Le réservoir de stase B11B est contaminé. L'équipe chargée des transferts est priée d'intervenir. Ok. Depuis les derniers ajustements, les champs de confinement des métroïdes semblent fonctionner à 100%. Les températures inférieures à 10 degrés rendent les métroïdes dociles. C'est-à-dire, un métroïde méchant, tu le fous dans le frigo, il devient gentil. Ouais, c'est une vision des choses. Ça va être le boss, ça. Et j'ai plus de vie. C'est la fête du slip, on va dire. C'est dans la mouise. Un message, ça a l'air d'être important. Une personne qui me contacte jamais, donc qui me contacte d'un coup, comme ça, ça fait peur. Ouais, non, c'est de la merde. Voilà, enfin bref. Cellules nucléo-absorbantes et de réservoirs d'énergie. Ok. Température des zones de confinement est de 3 degrés. Le diagnostic environnemental est satisfaisant. Les prélèvements effectués au niveau du cortex des métroïdes ont été analysés. Les résultats sont désormais... Les études ont montré une activité accélérée du lobe pariétal au cours des cycles de chasse à des températures supérieures à 10 degrés. Ok, ouais, donc c'est ce qu'on disait. Dans le frigo, il ne fait rien. Les métroïdes enfoncent leurs mandibules recourbées sous la peau de leur proie afin de pomper leur énergie vitale. En termes, c'est des parasites, hein, tout simplement. Là, on a un métroïde. Métroïde de talon, cette créature est mutée sous l'effet du phason. Parallèlement aux métroïdes de la planète SR388, les métroïdes de talon sont capables d'absorber la force vitale de tout être vivant. Ils s'agrippent à leur proie pour puiser toute leur énergie et grandissent proportionnellement aux quantités d'énergie absorbées. Le seul moyen de s'échapper de leurs griffes consiste à activer le mode bull morphing puis à poser une bombe. Alors bien savoir. D'accord. Des bombes partout, mais... Je pense qu'ils doivent pas aimer les bonbons. Complètement con ce que je fais, je suis même pas sûr que ce soit ça qu'il faut faire. J'ai plus de bombes. Ouais, ou tout simplement tu y tires dessus, ça va beaucoup plus vite en fait. Me fait chier alors qu'il suffit de leur tirer dessus comme un gros barbare. Ah, je me disais bien que j'avais entendu quelqu'un d'autre. Comme j'ai plus de vie, je suis obligé de la jouer plutôt safe, quoi. Pourquoi je suis bloqué là? Vous pouvez plus bouger? Pas de vie là-dedans, non? Des missiles, or c'est cool, mais je m'en tape.
quelqu'un qui a de la vie. Un petit peu là, voilà. Maintenant que tu m'as vu, tu peux peut-être monter, Duchemol. Bon, je m'en suis sorti. Ouais, si je redescends, je peux remonter. Et donc, des missiles, ça, on en a. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donner missiles, moi, je suis preneur. Y a pas d'autres caisses à péter, d'autres trucs à récup, non? Vous foutez de ma gueule? Non, je peux pas remonter. Ah si, bah par l'ascenseur là. Faut pas être con. Y a pas d'autres caisses, y a rien d'autre. Je suis dans une mouise. 70 points de vie, c'est petit. Oh, une petite réserve là. Et je sens bien le truc de merde. Voilà, et quand j'ai dit que je sentais le truc de merde, c'est que je le sentais. Ouais, mais ça va être une galère, ça, aller le chercher. Je suis même pas sûr que j'en ai vraiment besoin. On peut pas lui tirer dessus, là, sur les métroïdes qui existent dedans, là. Ça, par exemple, ça peut être intéressant, c'est quoi? Réserve d'énergie. Votre jauge de... Bah oui, mais je la veux, moi. Ouvre-moi ça, toi. Augmente votre énergie de 100 points, je cracherai pas dessus. Hein. Ouais, je le cache pas. Hein. Comment je suis un bolos Debout, on avoue, on peut pas passer, on est d'accord. Voilà, le truc qui te dit va te faire enculer. Ah ! Bon, bah, je crois que j'y arriverai pas. On retentera après, on va déjà regarder tous les ordinateurs, donc qu'on peut regarder. Alors, ce spécimen fait preuve d'un comportement hautement agressif. Sa structure physiologique qui se compose de minerais de phason semble invulnérable. Tous nos efforts pour entraîner et dompter ce sujet semblent avoir été vains. Alors, je sais pas qui est le spécimen dont c'est vain, mais j'ai pas envie de l'affronter. Ça doit être ce gros machin Zarbi, là. Je crois que c'est de lui qui parle. Parce que... Là, on n'a pas l'info vraiment de qui c'est. La zone est de quarantaine. La zone est de quarantaine a été sécurisée. Le spécimen doit rester dans la zone de quarantaine. Toutes les expériences sont suspendues jusqu'à la sécurisation de la zone. Ok, donc on fait déjà les trucs basiques. Hein. On fera ensuite les trucs rouges. Bien au-delà des niveaux sécuritaires acceptables. Détruisez-le. Ok. Il est vide celui-là. Hein. Il est vide et consciemment conçu pour des spécimens biologiques. Je peux même pas trop scanner, c'est marrant. Le truc, il a préféré que je leur scanne pas. Il s'est dit nana. Le réservoir contient les restes de l'expérience 75-26. La mutation du pirate d'élite s'est soldée par un échec. Ah, attends, j'avais pas vu ça.
Bien sûr, il n'y a pas de vie dedans. Ah, là, il y en a un peu. Voilà, je me sens un peu mieux avec 90 points de vie que 70. Hein. Après, ça change pas grand-chose, sachant que les tartes qui te mettent quasiment KO, quoi. À ce niveau-là du jeu. Bon, allez, on va remonter. Il y a deux ordinateurs là-haut que j'ai pas lu. Tout en haut. On va recommencer tout en haut. Je vais voir s'il n'y a pas des trucs que j'ai pas lu en haut. La réserve de missiles. Pas sûr de pouvoir l'obtenir parce que je suis qu'un boloss et que j'arrive pas à avancer droit. Bah, logique qu'il y avait des trucs à faire ici. La masse corporelle des métroïdes augmente proportionnellement l'énergie qu'il absorbe. C'est-à-dire il devient plus grand, puis il suce. Puis il suce, puis il devient grand. C'est un peu bizarre, mais... Les gardes doivent utiliser un équipement réfrigérant pour transporter les métroïdes. Dans le cas d'une attaque d'un métroïde, repoussez la créature au moyen de vos missiles les plus puissants. Cette entrée était téléchargée, décodage, pirate... Rapport, machin. Nous sommes très optimistes quant au potentiel d'application du phason. Nous en savons désormais assez sur ce matériel pour commencer à le combiner à l'ADN des pirates de l'espace. Le nom de code pour cette entreprise risquée sera programme Hélice. Des études préalables ont indiqué que l'exposition au phason est susceptible d'engendrer d'importantes mutations des génomes pirates. Certes, l'hystérie causée par le phason est un problème très gênant, mais les réajustements du processus d'exposition devraient suffire à réduire, voire enrayer, les risques de dégénérescence mentale. C'est-à-dire, quand tu utilises leur truc, en plus, tu deviens gogol. Ouais, c'est sympa, quoi. Ça donne vachement envie d'essayer. Parce que vous en pensez, hein, moi, je suis hype. Hein. J'ai trop envie de l'essayer, le truc. Tu l'essayes, t'as toutes les chances de devenir magou. Gogol. Le métroïde chasseur DS montre les signes d'une forte agitation et d'une résistance accrue au champ réfrigérant. Ouais, on l'a vu, quand il est dans le frigo, il fait plus rien. Voilà. Le moindre mouvement semble provoquer des crises psychotiques graves chez le métroïde chasseur DG. Une distance d'au moins 3 mètres doit donc être maintenue entre le personnel et le réservoir de stase. Ok. N'importe quoi, je vais le retenter, hein, vu que de toute façon, il faut que je descende. Donc, si je me foire, je serai déjà en bas, quoi. Ah ouais, mais t'es comme moi, en fait, t'es déjà atteint. Mais justement, on va peut-être pas un peu s'en prendre un peu plus, quoi. Alors, vous voyez, ça, ce que je vous montre, ça s'appelle un slow run. Mais alors, à 100%, le slow run. Wouhou! J'ai réussi. 5 missiles supplémentaires, ok. On peut rien faire ici, non, si je saute. Non, je peux pas. Ok, bon, on se casse. Donc, on a tout vu. Dans les trucs... Non, celui-là, je l'avais pas vu. Pourquoi est-ce qu'il veut pas que je le lise? Les métroïdes exposés à la souche vertigo du phason semblent plus vigoureux. Si les quantités appropriées étaient employées, ils deviendraient des récolteurs d'énergie de classe 1. Ah, ils peuvent avoir la classe, quoi, les mecs. Allez, c'est parti. Toi, qu'est-ce qu'il va se passer? Codage des données, voilà, rapport, machin. La dissection des métroïdes apporte plus de questions que de réponses. On se croirait dans X-Files, en fait. Nos équipes de recherche ont isolé les conduits d'énergie qui partent de deux mandibules envahissantes pour rejoindre le noyau quadripartite. Je bite. Que dalle, le noyau quadripartite de la créature. Malheureusement, nous n'avons pas encore défini le procédé que les métroïdes utilisent pour absorber la force vitale de leur proie, sans qu'elles ne perdent ni sang ni autres fluides vitaux. L'identification de cette énergie est notre principal problème. Elle n'a pas de forme tangible, mais sans elle, les êtres vivants meurent. Nous allons poursuivre cette étude, son étude, car l'isolation de cette essence vitale nous paraît déterminante pour la construction de notre empire. Autre terme, il te suce. Mais sans me toucher. Tiens, bah, on croirait Blizzard. Le projet Titan est suspendu pour une durée indéterminée. Je vous jure, Blizzard s'est inspiré de ça, parce que c'est ce qu'ils avaient annoncé hein, quand ils ont annulé Titan. Quand ils ont annulé le projet Titan, Blizzard a mis ça sur Twitter. Nous vous annonçons que le projet Titan est suspendu pour une durée indéterminée. Oui, quoi, 4 parties, mais je vois pas comment est-ce qu'ils ont pu calculer tout ça, les mecs. C'est un cerveau, c'est vrai qu'il a plus que 4 parties, un cerveau. De base, il en a 2 grandes, et ensuite, c'est encore plein, bien dispersé. Donc. Franchement, vous trouvez pas que Blizzard a piqué l'idée à Metroid? Moi, je dis, là-dessus, Metroid, il devrait aller gueuler après Blizzard. Hein. Eh oh. Des failles dans notre système de sécurité ont entraîné la perte de nombreux collaborateurs.
L'accès est strictement interdit jusqu'à nouvel ordre. Voilà, je dis, il y a du vol d'informations par Blibli. Entrée relative des... Donc machin, ça on s'en fout, voilà, rapport machin. Les études biologiques menées sur les métroïdes se poursuivent sans pour autant donner de résultats probants. Il nous semble plus raisonnable d'utiliser les propriétés des métroïdes plutôt que de tenter de les reproduire. Lorsque nous deviendrons leurs maîtres, nous n'aurons alors plus besoin de comprendre leur métabolisme. Quelques métroïdes dociles suffiraient à détruire des armées entières. Et lorsque nous aurons trouvé le moyen de les rendre invulnérables aux armes dotées des effets gel, ils deviendront invincibles. Par ailleurs, si nous parvenons à exploiter l'énergie qu'ils absorbent, nous disposerons enfin de ressources énergétiques quasiment illimitées. C'est-à-dire, ils craignent vraiment tout. Dès que c'est froid, les pépères, ils ont mal au cul. Mais c'est marrant, c'est que toi, là, tu veux pas sortir. Et comme tu veux pas sortir, eh ben lui, il veut pas viande. Tu vois? Alors, est-ce que tu voudrais bien sortir pour que l'autre, là-bas, il viande? Je ne peux pas l'ouvrir. Et ça m'ennuie, il n'y a aucun bouton pour ouvrir. On va descendre, hein, ça se trouve, c'est en revenant que ce sera ouvert. Mais... Calmer l'espèce de bestiole de merde, là. Voilà, hein. Et tu te calmes, tu te calmes. On va élever les cochons ensemble, à ce que je sache. Allô ? La porte ! Ah d'accord, faut que je m'écarte pour que tu... J'ai presque plus de vie, hein. Faut vraiment que je fasse gaffe à ma vie, moi. Là, il y en a un peu. Voilà, on remonte à 50. Oh, presque 100 points de vie, dis-nous. Là-bas, il y en a un autre Zarbi. Pas pourquoi, mais je sens que ça pue du derche. Concernant le logiciel d'enregistrement d'images thermiques, la phase de test est terminée. Téléchargez les données vers le prototype de viseur tactique afin de procéder aux tests pratiques. Circuit de contrôle du réservoir central est connecté. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je le répète, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, je n'ai jamais fait ce métroïde-là. D'accord ? Donc ça peut vous paraître bizarre le temps que je prends, mais... Là, je ne l'ai jamais fait. J'en ai fait d'autres, mais pas celui-là. Et comme tout métroïde, pour l'instant, je trouve que l'histoire tient le coup et vaut quelque chose. Voilà. Et puis la dernière fois, il y en a un qui est venu, qui m'a dit « Putain, tu prends trop ton temps, Metroid, tout le monde connaît, ça sert à rien de prendre ton temps comme ça. » Et moi, je l'ai jamais fait. Cette unité alimente le champ de force qui isole la chambre de confinement du niveau inférieur. Okay. Ou putain. C'est-à-dire, quand j'aurai débranché ça, la grosse bébête, là, elle va se réveiller et essayer de me bouffer le fion. Je viens de comprendre. Ça, ça a déjà été vu. Là, par contre, ils me prennent pour un con. Peut-être que je t'avais pas vu, toi. C'est juste que j'ai pas tiré, en fait. Mon personnage a pas voulu tirer, sinon je t'avais vu dès le début. Et qui me tire dessus, encore.
Enfin, j'étais à côté, en fait. Je suis tombé, je vois plus l'entrée. Ah oh, putain, je suis tombé trop vite. Oh là, il y a une sortie, ça. Toujours pas de vie, hein. Là, je serais content quand je... Yo Denios, il y a toujours des gens pour qui c'est improbable que t'aies pas fait des licences de jeu. Je suis tout à fait d'accord. Genre perso, t'as jamais touché un Zelda. Non, tu rigoles là, Ryan. Franchement, c'est pas bien. C'est de l'humour, bien sûr. Ni un Metroid, ceci dit. Eh bah franchement, joue à Metroid. C'est juste incroyable. Les histoires de Metroid tiennent la route, sont posées, sont machin, et voilà quoi. Zelda, c'est un peu plus différent. Comment vas-tu donc, mon petit Denios? Coucou Anna Pao The Spitzy One. Coucou Anna. Ça ira plus vite. Désolé, hein. Je vais raccourcir. Comment vas-tu? Et bienvenue parmi nous. Non, franchement, Ariane, si t'as jamais fait ni un Zelda, t'es venu il y a très très longtemps. Alors, ça se pourrait. Et il y a plus d'un an, alors. De toute façon, j'ai arrêté pendant un an de streamer. J'ai repris au mois de juillet. Donc, je viens de rentrer du taf. Donc, j'en ai. Ah, tu m'étonnes, t'es parti à 6h ce matin, quoi. Wouah, journée de 12 heures à peu près, showtime quoi. Bah, je vais quand même t'appeler Anna si cela ne te dérange pas. Hein. Et puis re-bienvenue parmi nous alors. Le commandement examine actuellement la possibilité de l'utiliser dans le cadre d'applications militaires. Les essais pratiqués dans la région de Fandrana. Ouais, peut-être un an et demi, c'est ça, avant que j'arrête de streamer quoi. Donc oui, donc bah re-bienvenue parmi nous. Content que tu reviennes. Le personnel de sécurité peut déjà utiliser les prototypes. Donc, on va appuyer là-dessus. Et là, ça va déclencher. Si tu peux, je préfère pas haut. Eh ben, ok. Pas haut. Je risque de me tromper de temps en temps, mais j'essaierai de me souvenir que c'est pas haut. Voilà. Il suffit de me le dire, moi. Tu vois, Ariane m'a demandé de l'appeler beauté, je le fais de temps en temps, parce que si je le fais trop, après, elle va prendre la grosse tête, quoi. Donc, Le circuit auxiliaire du réservoir central est connecté. Et là, Ariane, elle est en train de se dire « Ah, oh, j'ai jamais dit ça, moi, non mais oh !» Alors, je vais toucher à ça, ça va être la merde. On est d'accord. Donc, on va déjà vous vérifier tous les ordinateurs du coin. Toi, t'es en dernier à être vérifié. Les interfaces de viseurs infrarouges doivent être transférées vers la zone quarantaine. Les viseurs peuvent s'avérer fort utiles pour le personnel chargé de transporter des sujets instables dans ce secteur. J'ai un copain qui s'amuse à m'appeler Paola Strana. Oh, il était cherché loin, lui, quand même. Non, en fait, j'ai fait un seul Zelda Breath of the Wild. Les autres, j'ai essayé, mais j'ai jamais accroché. Ah, exactement, tu vois, prends la grosse tête, c'est ce que j'avais dit. Hein. Breath of the Wild, c'est pas... Alors, pour moi, c'est pas un 100% de Zelda, en fait. L'idée est bonne, hein. C'est vraiment extraordinaire. Je l'ai testé, hein. Je l'ai pas joué en entier. Mais alors, j'ai été déçu d'une chose, c'est les donjons, quoi. Ils sont inexistants dans Breath of the Wild. On peut me dire ce qu'on veut. C'est le mélange de mes trois prénoms. Ah, Denios, t'as pensé à moi? Ta femme va être jalouse. Je dis ça, je dis rien. Mélange de trois prénoms. Alors, Anna, je pense que c'est un prénom. Paola. Et puis alors, je pense que c'est l'astre. Le prochain, l'Astra, je sais pas quoi, comme t'as dit. Alors, c'est celui-là qui bloque. Essayons de trouver ces trois prénoms. Ou Annabelle, hein, peut-être, pour le Anna. Et comment ça, à propos du rétro gaming, Denios? Qu'est-ce que j'ai encore fait pour te marquer à ce point-là? Quelle connerie est-ce que j'aurais dit? Anna, Paola et... Et c'est l'Astra, hein, L-A-S-T-R, c'est ça?
les trucs qu'il utilise. Parce que si c'est vraiment... En vrai, Anna Paola. Non? Ok, bah alors c'est The Speedy One, ton prénom. C'est difficile. Hein. Je t'annonce. Hein. Il est pas facile à porter, celui-là. Il sort pas de partout. Va te donner une Super Nintendo avec sa collection de jeux. Eh hey mec, t'as des... Je vais pas te le cacher, mais t'as des coronets en or. Sais-tu combien de gens recherchent une Super NES ancienne avec plein de jeux? Là, je te le dis direct. Hein. C'est aussi un nom de voiture. Mégane? Chloé? Zoé? Je sais pas, moi, il y a tellement de noms de voiture. Ça m'étonnerait que ce soit Audi TT. Un peu con. Voiture de chez Opel Corsa. Je suis pas du tout très voiture. Attends, je finis de lire ça, voilà. Informez le commandement que la phase de test du viseur infrarouge va bientôt commencer. Quand le viseur infrarouge est activé, toutes les sources de chaleur intense s'affichent en rouge. Ah, un nom de voiture de chez Opel. Après, j'imagine bien la personne qui s'appelle Tigra aussi, Opel Tigra. Vous voyez, Astra. D'accord. Ah bah, je connaissais pas ce prénom-là. C'est assez original. Ah bah, tu vas pirquer comme un gosse, mec. Bah, moi, perso, on viendrait me voir, on me fait « je t'offre une Super NES ». Wouah ! Le circuit principal du réservoir central est connecté. D'ailleurs, je suis en train de voir pour... j'ai demandé à une boutique à côté de chez moi s'ils pouvaient me récupérer une vraie manette de Nintendo GameCube en version USB pour pouvoir jouer vraiment au GameCube Challenge avec la manette d'origine. Astra, c'est très joli, mais je ne connaissais pas. Et je trouve ça agréable. Quoi. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Mais de rien. Finir le viseur infrarouge. Alors, qu'est-ce que ça fait? Appuyer sur pour activer le viseur, utiliser cette technologie pour mettre en évidence les corps chauds et afficher les cibles rayons à ondes qui sont normalement invisibles. Donc si je fais ça, je vais voir des trucs que j'y voyais pas jusque-là, donc faut que je refasse toute la carte. T'es fouille de ma gueule. Et alors quand je fais ça... Oh putain, c'est moche. Alors là, on peut pas le dire, mais c'est pas joli dans ce mode-là. Tu vois mieux les détails. C'est pas joli, mais tu vois mieux les détails. Oh, je viens d'en haut, moi, donc on va aller voir ce qui se passe en bas. Non plus. Australia, donc j'aime bien. Non, mais c'est joli, hein. Ça s'ouvre avec quoi, ça? J'ai pas l'air d'avoir ce qu'il faut pour l'ouvrir, on va quand même se mettre en boule pour tester. Une clé bourrin. Clé? Oui, c'est... Ah bah d'accord, c'est prévu pour que tu sois en mode comme ça pour pouvoir voir la sortie, quoi. C'est bizarre comme mode là. Je suis pas fan. Mais il y a en fait dans ce jeu, pour ouvrir une porte, faut tirer sur la porte. C'est pas compliqué. Faut me faire chier toi le truc le Metroid là. Si tu crevais pour qu'on s'en souvienne de toi. Dans ce jeu, pour ouvrir une porte, faut tirer sur la porte avec un certain type d'arme. C'est pour ça que je me dis,
Bizarre que je l'ai pas encore vu. Et les portes grises, je sais pas comment on les ouvre. Ça doit être un type d'arme que je découvrirai plus tard. Hein. Bon, Paris, tu vas sortir de là. Oh, bizarre, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Franchement, tu m'as épaté. Oula, une faveur. Un couple né sur le live. Non, je vais pas dire ça. C'est la femme à Denios, va pas être d'accord. Ou peut-être le copain de Pao. Et on n'en sait rien. Hein. Si elle a une deuxième fille, donc ça va, déjà quelqu'un. Je pense que vu que c'est un pseudo, il va pas te dire non, il va pas te dire démerde-toi. Comme connerie, moi. Ah non, c'est ça, fallait tirer sur ce machin-là pour l'ouvrir. Par contre, il y a des fois, tu sais même pas contre quoi tu te bats, hein. Mais je vois rien. Je vois que dalle. Qu'est-ce qu'il dit veut que je fasse? J'ai pas compris là contre quoi je me battais. Putain, faut que je refasse tout là. Je me souviens, la sauvegarde était super loin quand même. Ah, la sauvegarde, elle est hyper loin. Eh ouais. M'en fous, je vais le faire, mais c'est loin. Bon bah déjà ils aiment bien le même prénom, c'est bien. Alors Australia c'est joli, mais je sais pas si ça fait vraiment prénom en fait. C'est mon avis, hein. C'est vrai que j'ai des goûts de merde. Il lui fait rien ça lui. D'accord. Ouais non, toi c'est juste le missile dans la gueule et puis tu me fais pas chier quoi. Toi aussi. Alors Aurélia, je connais. Ça, y a pas de souci, je sais d'où ça vient. Oui, je sais, tu vas me dire d'aller là-haut, mais j'y étais, justement, j'ai été chercher le truc mûche, faut que je me retape tout le chemin. Après, ça ira toujours plus vite parce que là on lit plus. On va juste passer les trucs pour les prendre, mais on va pas les lire. Ah putain, c'est là qu'il y a le combat de malade que j'ai perdu toute ma vie. Il faut que je fasse super gaffe à mon popotin. Pour rester poli, bien sûr. Je suis quelqu'un de très poli, très urbain. De toute façon, c'est mieux d'avoir des prénoms originaux. Hein. D'ailleurs, en parlant de prénoms, n'est-ce pas, Denios hein. Je pense que tu es toujours en mode recherche. Voilà. Enfin, voilà. Pas beaucoup entendu comme prénom. Bah, moi, Aurélia, je connais. Peut-être parce que, bah. Là où j'étais, hein, quand j'étais jeune, on avait trois filles de ma classe qui s'appelaient Aurélia. Johanna, Juliana et Kim.
Je les ai tous déjà entendus, ces prénoms, partout. Moi, mon vrai prénom n'est pas connu parce qu'il est tellement original que bah, on s'en sert pour en faire des giveaways. D'ailleurs, je rappelle le principe. Hier soir, vous n'étiez pas là, hormis Denios. Ouais, je crois qu'il n'y avait que Denios qui était là, qui est au courant. Il y a un jeu qui tourne parce que mon vrai prénom n'est pas Johan. Voilà, comme c'est marqué en bas. Mon prénom a été changé à l'âge de 8 ans par l'État. Et ça arrive. Hein. Voilà. Et on est donc parti pour le délire de deviner quel était mon véritable prénom. Celui qui le trouve. Alors, Elixia, je connais pas. Oui, Johanna, je connais. Alors, pas avec le H à la fin, mais... Moi, je sais même plus comment ça s'écrivait. Mais Johanna, j'ai déjà entendu. Ouais. J'en connais plus, j'en connais une ou deux. Et donc, mon vrai prénom n'est pas Johan. Il a été changé à l'âge de 8 ans. Et on est parti du principe que celui qui trouverait mon vrai prénom d'ici lundi 23h59, pour être précis, parce qu'autant être précis, gagnerait un giveaway. Gagnerait un jeu Steam aléatoire. Donc je vais répéter les indices que j'ai donnés à ceux qui étaient là hier. D'ailleurs, tiens, Denios, t'étais là hier, redis les indices, parce que je pense que t'as dû réfléchir quand même. Comme ça, ils seront écrits, ce sera plus simple à comprendre. Quelle origine de quoi mon prénom? Origine qui se dit. Je sais pas. Ah, bref, j'ai donné des indices et donc Denios va vous les répéter, je pense. Va vous les ressortir. Alors, la première indice, voilà, c'est Interville et Prison Break. Ça, c'est l'indice numéro 1. Et l'indice numéro 2, c'est mon prénom commence par une voyelle, mon véritable prénom. Voilà. Donc maintenant, à vos recherches, à tout ça et tout. Lundi, 23h59, vous avez jusque-là pour trouver. Hein. Lundi, 23h, mardi à minuit pile. Si personne n'a trouvé, c'est pas grave, on remettra ça plus tard, à un autre moment. Voilà, donc, ou peut-être que je le remettrai jamais en jeu. Enfin, on verra. En tout cas... Si vous trouvez, vous gagnez un giveaway. Et tous ceux qui trouvent, hein, mais qui me le disent en MP. Voilà. Faut que ce soit dit en MP. Parce que je me dis, s'il y en a qu'un qui trouve, c'est pas cool. Des autres vont arrêter de chercher. Mais quand vous avez le prénom, vaut mieux me l'envoyer en MP. Pourquoi il a été changé? C'est une demande de l'État et de mes parents en même temps. À l'époque. C'est tout ce que je peux dire. Parce que le prénom m'empêchait de vivre ma vie convenablement. Voilà. Il n'y a pas besoin de connaître les émissions, Paola. Pao. Pas besoin du tout. Il suffit de connaître l'idée de l'émission. Pas la même chose. Mais il n'y a pas besoin de les avoir vues ou autre chose. La seule personne qui n'a pas le droit de jouer à ce petit jeu-là, c'est Noob. Une des vieweuses donc, qui vient régulièrement, car elle le connaît. Elle me connaît personnellement, donc elle connaît mon véritable prénom. Et sinon, ce serait trop simple, elle aurait déjà gagné. Hein. Donc voilà. Donc je le redis. Donc il y a deux choses en cours à l'heure actuelle sur la chaîne. Il y a donc le tirage vendredi dans la soirée, à partir de 21h, donc je ne sais pas quand, du coffret Dijonais à gagner. Donc coffret Dijonais qui est composé de petites comment est-ce qu'on peut dire, pâtisseries dijonnaises, ainsi que de trois pots de moutarde que vous ne trouverez sans doute nulle part ailleurs si vous n'habitez pas Dijon. Parce que j'ai pas le droit de vous envoyer d'alcool, sinon je dois envoyer une côte de Beaune en plus. Voilà, donc tirage vendredi. Et puis celui-là en cours, voilà. J'en profite pour faire un peu ma pub. Hein. Ah non, c'est pas celui-là. Il était long celui-là. Hein. Vous avez du temps pour chercher, donc après il suffit de me l'envoyer en MP, voilà. Et moi je lis tous vos messages. Hein. Je veux dire qu'hier soir, ils ont passé 3 heures dessus à rechercher, me poser des questions et tout ça. Pendant qu'on faisait du PoE, c'était assez sympa d'ailleurs. Et moi, je fais ma petite clope, tranquille. Quand même 1h30 de live. Alors, avant, je prenais des pauses toutes les heures de 10 minutes. Maintenant, je fume en live. À plus vite. Ça, je reste avec vous. Mais ah ben je sais pas, je pense que c'est un prénom qui pourrait marcher.
Par contre, faut pas que tu sois serveur dans la vie, hein, quand tu t'appelles comme ça. Et à chaque fois que quelqu'un est au restaurant, tu vas prendre quoi? Ah bah, je sais pas. Ah bah, le mec est dans la merde. Ouais, je dis ça, je dis rien, quoi. Il est appelé tout le temps, hein. C'est lui le serveur numéro 1, il est pas tranquille. Déjà, j'ai beaucoup plus de vie que tout à l'heure, j'ai à peu près 200 points de vie de plus. Comment dire, ça va mieux se passer. Donc voilà, donc vous avez le temps de rechercher, c'est un petit jeu comme ça sympa. Alors Kazé m'envoie un message, je vais regarder de suite le message de Kazé. Non, ce n'est pas celui-là, Kazé. Ah, vous voyez, j'ai lu le message direct. Hein. Après, si quand je vous dis non à un message, vous voulez passer aux autres, vous avez le droit de le mettre dans le chat. Hein. On peut trouver si on ne connaît pas du tout. Si on ne connaît pas du tout, bah oui, tu peux trouver un prénom si tu ne le connais pas. Hein. Maintenant, avec Internet, tu trouves tout et n'importe quoi. Hein. Hier, ça est resté quand même resté. Simon fait changer mon prénom, c'est qu'il y a une raison quelque part. Voilà, c'est juste que le prénom me pourrissait la vie. Bon, voilà comment ça a été annoncé par un psychologue et tout ça, l'État et tout le tralala. C'est quand même con, parce que c'est quand même mes parents qui ont choisi le prénom, et l'État a validé le prénom. Et c'est eux d'après qui se sont mis d'accord pour le changer, parce qu'ils me bousillaient la vie, donc... Quoique, quand ils font des conneries, ils en font des belles, hein. Donc depuis mes 8 ans, j'ai changé de prénom. Voilà pour la petite info. Alors, je pense que Pao, tu peux me tutoyer. D'accord. Pourquoi ça m'empêchait de vivre? C'est juste que quand t'es gamin, tout le monde se fout de toi. Voilà. C'est difficile de... Les gamins sont méchants entre eux, faut pas l'oublier. Et voilà, il faut partir de ce principe. Et quand t'es gamin, tu vois pas les choses de la même façon que quand t'es grand, quoi. Ça devait être ça que j'affrontais tout à l'heure dans le noir, là, que je voyais rien. Voilà. À part que bah, moi, ça en était un point que je ne vivais plus normalement. Quoi. Voilà, ça a été un test fait à mes 8 ans et qui a été concluant quand on a changé de prénom. Et donc, ils ont décidé de le garder. Quoi. Donc, voilà pour la petite info. Donc, deux giveaways en cours. L'un où il faut juste être participant, être présent le jour même. Voilà. Et l'autre où c'est à vous de réfléchir un petit peu. Par rapport au physique, par rapport au prénom, les enfants sont très méchants entre eux. Et c'est incroyable, quoi. C'est... Et voilà, quoi. Et ça peut détruire une vie, hein. Ça peut détruire complètement la santé mentale d'une personne, ce qui a été le cas en ce qui me concerne. Or, comme vous voyez, de toute façon, en plus, je suis pas vraiment très bien mentalement. Vous avez dû vous en rendre compte à force de venir sur la chaîne, donc je vous laisse deviner le pire à l'époque, quoi. Ils ont décidé de le changer, c'est que c'était pire à l'époque. Genre Maximus ou Casimir. Oh, j'en ai déjà vu des Casimir. J'ai bien eu un mec qui s'appelait Mortimer. Dans ma classe à l'époque. Par contre, je me suis jamais moqué d'un prénom après, vu que le mien avait été changé. Hein. Je ne me le permettrais pas. Par contre, je suis. Un truc qui m'ennuie, c'est quand je vois un mec qui porterait mon prénom. Que... Et je me dis, le pauvre, il a souffert toute sa vie. Je sais pas si lui il a vraiment souffert, mais moi j'en ai souffert. T'as encore des blagues encore maintenant sur ton prénom? Voilà. C'est le problème, quoi.
Après, maintenant, quand on est grand, je pense qu'une fois adulte, on a passé ce cap où ça nous faisait chier ou autre chose. On se dit, après tout, c'est un prénom, quoi. Mais quand t'es gamin, pour toi, c'est ton identité. Tu n'es que ça, en fait. T'as pas encore trop vu tes idées ou autre chose. Archie. Il s'appelle Archie. Denios, en... Ouais, voilà, non, mais c'est ça. C'est... Quand t'es petit, ça te fait chier, ça te touche. Ça t'ennuie. Quand t'es grand, tu te dis, mais il a pas grandi, lui. Tu vois ? C'est ça, la différence, en fait. Le physique, c'est encore autre chose. Après, je comprends pas que des adultes se moquent du physique de quelqu'un. Moi, j'arrive pas à le concevoir. Il y en a qui vont dire, mais si, c'est normal. Moi, je peux pas. C'est ça, on ne connaît pas le passé d'une personne, on ne sait pas qui elle est vraiment, et c'est pour ça qu'il faut pas se moquer. Il y a des choses qui restent, mais c'est la moindre mesure que quand t'es gamin. Quand t'es gamin, c'est vraiment toute ta vie que t'es en train de foutre en l'air quand tu fais un truc qu'il faut pas. À chaque fois, ils me dégagent, les mecs. Et pour ça, d'ailleurs. C'est normal, genre de mec qui doit manger des tartes à la pelle, ça. Je dirais pas que c'est normal de se foutre de la gueule des gens, quoi. Moi, je trouve que c'est complètement n'importe quoi. On est tous différents, et c'est ce qui fait qu'on est tous bien, quoi. Si on était tous pareils, on se ferait chier dans ce monde. Il faut respecter les différences, et il faut justement les apprécier, quoi. C'est ça, ils font beaucoup de mal. Tout à fait d'accord. Je l'ai vécu étant petit, maintenant je le vis un peu moins. Voilà. Je le cache pas. J'ai cette chance. Hein. Et que l'État et mes parents ont réagi et ont fait quelque chose de bien en ce qui me concerne. Quoi. Non, 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 bah non. T'inquiète pas, je sais très bien que c'est histoire de dire. On connaît des gens, moi, qui ont tenté le suicide ou même qui l'ont fait, quoi. À cause de ça, des moqueries et tout. Et je trouve ça inadmissible, quoi, de laisser passer ça et de se dire, mais c'est rien, quoi, c'est bon, on n'a rien fait de mal. Et j'arrive pas à comprendre ces personnes-là, quoi. Voilà. Voilà, donc mon prénom m'a détruit la vie, mais c'est pas non plus pour ça que aujourd'hui je veux pas en parler. Hein. C'est juste que j'aime pas qu'on m'appelle comme ça. Oui. C'est un petit détail. Peut-être pas un meurtre, mais c'est une aide au meurtre. C'est ça, on plaisante, mais ils n'imaginent pas que derrière leur plaisanterie, ça fait très mal. Ton geste, d'avoir tenté de te tuer ou d'avoir de t'être raté, en d'autres termes. C'est ça, en fait, qu'il faut savoir. J'espère seulement que c'est d'avoir tenté de te tuer. Que la vie est courte, faut en profiter. C'est de quoi je parle. Profitez de votre vie au maximum. Vous laissez pas avoir. Enfin bref, plaisanter sur des trucs de genre, je trouve que ça ne se fait pas, c'est immature. Même ma fille a compris qu'il fallait pas le faire. Elle a 8 ans, quoi. Enfin, tu regrettes d'avoir essayé, ouais. C'est bien, c'est comment maintenant t'as plus l'envie de le faire. C'est ça qui est bien, c'est que t'as compris que c'était une bêtise et
Tu repars pas dans le même idée, quoi. Mais c'est chaud quand même que ça t'ait poussé à en arriver là, quoi. Et cette porte, à chaque fois, elle s'ouvre quand je m'écarte. Tu te fous de moi? Eh, mes mères, tu vas t'ouvrir un jour ou... On avait d'autres tout à l'heure, il était pas tout seul du schmoll des bacs à sable. Oh, du schmoll, ils sont où tes copains? Internet qui t'a sauvé. Voilà. Il y a des choses qui sauvent, il y en a d'autres. On dit qu'Internet, c'est des fois, c'est une mauvaise chose, mais des fois, c'est une bonne chose, tu vois. Encore la preuve. Heureusement que Facebook et les réseaux sociaux n'étaient pas encore existants à mon époque. Et pourquoi? J'ai jamais été fan de Facebook ou de toutes ces conneries-là, mais... L'amour de la vie. Facebook, c'est le mal, mais total. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, la CNIL, donc la Commission nationale informatique et des libertés, est en train de lancer un procès à Facebook et WhatsApp pour la raison qu'ils refusent d'envoyer leurs données à la CNIL et ainsi de vérifier ce qui se dit sur l'Internet. Il faut savoir que c'est obligatoire en France. Ils puissent vérifier qu'on ne parle pas de mettre une bombe ou ces conneries-là, les trucs de ce genre, quoi. C'est obligatoire en France, ils refusent et ils risquent une amende de 20 millions d'euros quand même. Mais en contrepartie de ça, ce qui gêne le plus NACNIL, c'est pas qu'ils transmettent pas toutes les données. C'est surtout, et là, faut aller chercher loin, c'est que Facebook, lui, par contre, va transmettre ces mêmes informations à ceux qui vont les payer pour les avoir. Voilà où est le vrai problème. C'est-à-dire, Facebook va transmettre les informations à Air France pour qu'ils puissent t'envoyer des billets des réductions sur tes billets d'avion et tout ça, quoi. Parce qu'une fois, t'as parlé que t'aimerais bien aller au Brésil, quoi. C'est grave. Donc, si vous pouvez éviter d'utiliser WhatsApp ou Facebook, ça serait bien. Voilà, je fais passer l'info. Quand j'ai lu ça hier soir, j'étais outré. Parce que c'est vraiment du « je me fous de ta gueule », quoi. On s'en fout de comment tu vas mourir, mec. Mais tu crèveras et ce sera mieux comme ça, quoi. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais là, voilà. Donc ils vont sans doute se retrouver en procès. Pour l'instant, ils sont en parlementation. Mais ce qui serait bien, c'est que bah, Facebook paye les 20 millions d'euros et comprenne qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent, quoi. Il y a des règles, il faut les suivre. Voilà pour la petite info qui est tombée hier soir, hein, aux alentours de 2h, du moins ce matin, aux alentours de 2h. Je regarde souvent les trucs de la CNIL. Hein. Ah ouais, mais ce qui est bien, c'est que t'es là. T'as réussi à t'en sortir. Par de ce principe. Faut garder le moral et puis avancer, quoi. Il faut te dire. Mais il n'y a pas que Facebook, hein, crois-moi, n'importe quoi, même les streams. Tu peux le voir, on ne considère pas Twitch comme un réseau social, et pourtant c'en est un. Pour la raison qu'on est plusieurs à se regrouper, on discute de plein de choses. Il y en a qui sont malhonnêtes. Tu vas sur certains chats de streamers, le but, c'est de cracher sur les autres. C'est-à-dire, si tu viens avec ton petite idée gentille, et puis dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et voilà, chacun fait comme il veut... Le streamer va pas apprécier, il va justement cracher sur ta gueule pour que les autres fassent la même. Donc Twitch en est un. Seulement Twitch, eh ben, ça dépend du streamer qu'il y a de l'autre côté. C'est-à-dire moi, il y a un qui vient qui s'amuse à cracher sur tout le monde, je le banne. Je vous le dis tout de suite. À part s'il crache sur quelqu'un parce que le mec a été un violeur ou autre chose. Non, là je dirais rien. Voilà, ça dépend ce qu'il a fait, mais juste cracher sur le mec parce que le mec lui a fait une blague et ça lui a pas plu et tout ça, au bout d'un moment, ça va tout le temps me saouler. Si le mec il vient tout le temps pour cracher sur les autres, je le gère, quoi.
Et il y en a qui font leur blé comme ça sur Twitch. Grâce justement à cette connerie, quoi. Au fait qu'ils savent que les jeunes vont adorer ça, cracher sur les autres. On le voit, hein, rien qu'à la télé-réalité. Mais c'est tout l'inverse, parce qu'il n'y a personne derrière pour surveiller, quoi. Et ça changera jamais. Ça, je peux pas. Hein. Ça changera jamais. Ils vont jamais mettre quelqu'un pour surveiller ce qui se passe sur Facebook ou autre chose. Ça peut se comprendre que ça te déprime, Pao. Mais faut pas, faut continuer d'avancer. Enfin voilà, donc pour info, Facebook et WhatsApp sont en problème, ont des problèmes avec la justice. Donc Facebook et WhatsApp, c'est le même groupe. Faut pas croire, hein. WhatsApp, c'est pas un truc tout seul, ça appartient à Facebook. C'était justement pour contrer le fait des gens qui disaient « J'aime pas Facebook, je veux une messagerie électronique, mais sans Facebook. » Bah, ils ont créé WhatsApp, comme ça s'appelle pas Facebook, et les gens l'ont téléchargé comme des bouffons. Mais c'est ça, il y a de belles choses dans la vie. Il n'y a pas que des cons, comme on te l'a dit. Hein. La preuve, t'es avec nous, tu vois bien, on est réglo. Tous autant qu'on est ici. Comme je l'ai dit, une personne qui serait pas réglo, j'y mettrais un coup de pied au cul, puis casse-toi, je m'en fous, même si c'est un sub ou autre chose, j'en aurais rien à foutre. Ce qui compte avant tout, c'est la vie des gens. Juste orienter vers celle et les mauvaises derrière ça. C'est ça. Faut se dire qu'on garde que les bonnes choses et on oublie les plus mauvaises. Ah, c'est pas facile à faire. Il y a des fois où c'est vraiment compliqué et on ne peut pas faire autrement. Je peux le comprendre. Mais dans l'ensemble, faut essayer de garder le moral et puis avancer comme il faut. Si tu apparaissais, j'ai fait exprès de partir loin pour que j'ai le temps de t'éclater la tronche, alors c'est pas pour que tu mettes trois plombes à sortir, quoi. Tablette qui efface mes mots. La tablette veut pas que tu parles, Denis. Elle veut plus, elle se dit que tu dis trop de bêtises à la minute. Bon, là, en plus, tu dis pas de bêtises pour une fois. Ah, les tablettes sont contrôlées par les mauvais esprits. Bah, je sais, Denios, t'inquiète. De toute façon, t'aurais jamais été du genre à être sérieux quelquefois, je peux te dire que tu serais pas modo. Ton vélo a roulé tout seul aujourd'hui. Putain, t'as retrouvé le vélo de Christopher Froome, celui qui avance tout seul. C'est cool, ça. Ils ont de l'argent, dis donc, à la poste. Alors là, je vais faire une sauvegarde, parce que j'ai pas envie de me retaper tout le chemin, vu qu'il n'y a pas de point de save. Hein. Voilà. Mais tu t'ouvres quand tu veux, saloperie de porte. C'est pas du tout ce que j'affronte et ça me plaît pas. Ils font énormément de dégâts, ces cons. On voit qu'il est derrière la porte, hein, ça brouille.
Je peux même pas le cibler, gros con, là. Comme dans la rue qu'il a rattrapé. En vrai, j'ai été débile. Non, non, t'étais désespéré, c'est pas pareil. Tu étais pas bien dans ta tête. Entre débile et avoir un problème à ce moment-là, c'est deux choses différentes. Tu peux pas dire que t'es débile parce que t'as essayé de t'en sortir de ta façon à toi, la seule que tu voyais possible. Ne dis pas ça. Je crois que je l'ai eu, l'espèce de merde, là. Putain, mais il y en a combien de ces merdes? Ah, par contre, une fois que tu l'as touché, il bouge plus, en fait. Ok, je viens de comprendre. Ouais, vas-y, y a pas de soucis, je regarderai sur le Discord. On peut pas dire que t'as été débile, non, ça franchement, ça me gêne d'entendre quelqu'un penser qu'il a été débile, parce qu'il était désespéré, c'est pas la même chose. Tout à l'heure, il y en avait qu'un, pourquoi il y en a un deuxième? Il a fait des petits enfants? Vas-y, mais sors de là-dedans, toi. Je sais que tu vas sortir, espèce de chacal. Je les vois pas, mais lui, il me voit. Hein. Pas de soucis, hein, là-dessus. T'es où, espèce de salopio qui me tire dessus, là? Tarigo. Ouais, t'aurais jamais sauté, mais ouais. Et pourtant, ça t'a... Si tu l'as fait, c'est qu'à un moment, tu t'en avais besoin. Je pense que c'était ton seul moyen de t'en sortir à ce moment-là. C'est ce que toi, t'as ressenti, et c'est ce qui compte le plus, c'est ton ressenti à ce moment-là, quand t'es pas bien. C'est tous qu'on fait des trucs débiles dans notre vie, hein. Faut pas croire, des trucs stupides, des trucs sans aucun intérêt. Mais si sur le moment on les fait, c'est qu'on avait le besoin de le faire. C'était peut-être un appel au secours aussi. Ces trucs-là sont importants. Et qu'est-ce qui me tire dessus? Il y a un mec, un blaireau, quelque part dans le jeu, là, qui a décidé de m'aligner, mais qui est invisible. Où est-il? Mais il fait nuit là, donc de toute façon j'ai pas le choix. C'est soit je suis comme ça, soit je vois que dalle. Putain, c'est juste une méga tourelle de merde. Moi je croyais que c'était un bonhomme, mais casse-toi et les tourelles elles sont froides, ouais, donc c'est le problème. Je peux la récupérer, moi, ce truc-là, là. Si, on s'en rend compte quelques années plus tard, en se disant tout le temps ce que tu viens de te dire, si j'avais su, je l'aurais pas fait. Alors, ça marche, là. Ah oui, non, mais tu vois plein de choses, mais tu sais pas ce que tu fais. Ah. Tourelle de défense défaillante. Normal, elle est un peu en charpie, là, ta tourelle. Non, en fait, je peux pas récupérer. C'est plutôt chiant parce qu'ici, je vois qu'il y a un truc de vie là. Ah, il y a une barrière, mais elle veut pas que je la récupère.
Bah alors, je sais pas trop quoi faire. Je pense qu'à un moment ou un autre, tu reviens par là, puis tu le récupères. De toute façon, oui, t'es obligé de revenir, vu que t'as le côté gris, là. Le gris, que la porte grise là-bas que je pouvais pas ouvrir. Coucou, maman de génie. Bah écoute, ça va très bien, et toi? On parle de choses pas très joyeuses, mais je pense que des fois, ça fait aussi du bien d'en parler, de se sentir... d'écouter ce que tout le monde nous dit. Malade. Encore? T'as quoi? Ton otite qui revient? Hier après-midi, je fais que d'éternuer, du coup hier soir le nez complètement bouché. Bon, ça va, c'est qu'une petite, un petit rhume. Je le souhaite. Pas cool, mais c'est un petit rhume. Moi, je me jette dedans. Ah bah oui, surtout que t'es avec les personnes âgées, tu peux leur faire énormément de mal. Ils n'ont plus le même système immunitaire. Ah, il refait jour. Ils ont prévu pour pas que je puisse leur tirer dessus de la porte. Père, ouais. Je peux bouger? Allô? Bon, bah non, c'est prévu, hein. Tant que tu vises, tu les auras pas. Ouais, mais bon. C'est ça où tu peux leur faire du mal aux personnes âgées. Je pense que vaut mieux que ce soit ça. Parce que tu t'en voudrais plus de leur faire du mal qu'autre chose. Presque plus de vie, hein. J'ai pris des dégâts, on sait pas d'où, parce que le mec, moi je le vois pas, lui me voit, hein. À travers les murs, eux, ça les dérange pas, hein. Il y en a d'autres qui sont arrivés parce que sinon c'est pas drôle. Repasse, toi. Elle a de beaux yeux bleus, Samus, en fait. Ouais. Après, c'est pas trop grave, maman Jenny. Ça va se passer. Par de ce principe. Je dis ça, c'est parce que quand on se fait toucher, on voit les yeux de Samus, si vous avez bien repéré. Vaut mieux travailler quand même avec les gants. Hein. Bah, je te conseille. C'est jamais... Parce que toi, tu peux attraper quelque chose, mais eux aussi peuvent te. Mais tu peux aussi leur refiler quelque chose, quoi. Surtout si t'es malade. Donc... Mais toi, je continuerai avec les gants. Hein.
Y a pas que toi en fait, qu'eux qui peuvent récupérer toi aussi. Hein. T'as bien raison, de toute façon, vaut mieux se protéger et protéger les autres, surtout dans le domaine où tu travailles, quoi. On voit des fils. Il n'y a plus besoin de ça. Hein. Aussi, bah oui. Faire attention à tout ça. Quoi. En fait, on est où là? On est là. On vient de descendre. Donc si on va tout, de toute façon on va aller au bout pour aller sauvegarder, déjà c'est la moindre des choses, ensuite il faudra revenir en arrière, on n'a pas le choix. Elle était là la porte grise qu'on pouvait pas prendre. Donc... Pas pourquoi, mais je sens que ça pue. Ah, je me suis coincé, je tombe. Ah putain, j'ai pas pu aller au point de sauvegarde. J'avais dit que je sentais que ça puait. Je suis mauvais, hein. Ouais, j'ai piqué pour rien non plus. Hein. Ça va, je m'en suis sorti. Pas trop trop mal. On voit plus rien là. Ouais. Bon, on voit quand même un petit peu, donc je vais pouvoir m'en sortir avec ça. On va récupérer l'énergie que j'ai besoin, puis on va remonter pour. Quoique non, ça sert à rien, parce que quand tu sauvegardes, tu récupères tout à fond. Attendez, ouais, c'est là-haut qu'il faut que j'aille. C'est que je deviendrai bon en fait. Il y a un problème, je deviens bon. C'est pas normal. J'ai commencé à faire des trucs rapidement. Après, je sais pas où je dois aller. Donc oui, bah la porte grise. Sinon, il me dit rien de plus là. Le jeu, il me dit pas l'endroit où je dois me rendre. Donc aller dans cette zone-là, en plus. On voit tout ce qu'on a encore à faire. Donc là, on est là, on va aller tout droit. Repasser par en bas, il me semble. Ouais, c'est ça, là, faut passer par en bas pour prendre le chemin, descendre. Ouais. Allez. Ok, bah amuse-toi bien, Denios. Et puis je te dis, de toute façon, ce soir, moi, je suis sur Pass of Exile, hein, comme tous les soirs. Bah, ce soir, je vais sans doute faire ce que je faisais hier, c'est-à-dire PL. Ces bestioles-là, c'est l'horreur tant qu'ils bougent, en fait. Une fois que tu arrives à les choper, c'est foutu pour elles, hein, mais... Voilà. Je dirais qu'il fout une tourelle là. Quelle bande d'enfoirés!
voit rien, donc vaut mieux rester dans ce mode-là. Toi, je t'ai vu, hein. Eh, faut arrêter de me prendre pour une quiche, il y a un mec, là. Ça passe pas. Il y en a un autre là-bas. Ils sont tous accrochés au plafond comme des gros cons. C'est quoi le délire du « je m'accroche au plafond » ? Le plus, c'est le Metroid qu'il y a là, en fait. Bon, bah, j'en ai vu... Ah non, c'est un truc. C'est un Metroid. On a encore deux d'accrochés. Ok. Un de moins. Encore deux. Trois, mais... Putain, j'avais pas vu le troisième. Eh hey, mais tu me lâches? Je suis dans un coin, je peux plus bouger là. Oh. Voulu reprendre l'ascenseur, moi. Récupérer l'objet de vie qu'il y avait au sol. Là, les Metroid, ils ont l'air d'être tranquilles, ils veulent plus te faire chier. J'ai dû leur faire peur depuis tout à l'heure, moi. Trop bon. L'humour, bien sûr. C'est l'humour. Ne pensez pas que c'est vrai. Ne rentrez pas dans ce monde de bêtises. Non mais c'est quoi qui m'empêche de tirer des fois? Petite question, vas-y. Alors elle doit pas être grande, hein, pas plus de 5 mots. Elle est petite, tu m'as dit. Dans la merde. Qui sait quand est-ce que je deviendrai intelligent? La réponse est jamais. Voilà. Pour être intelligent, il y a des prérequis que je n'ai pas, c'est-à-dire le cerveau. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il me tire dessus là ? D'accord, je me suis pané la gueule comme une grosse merde et je vois plus où il est devant moi. Où t'as pris cher ? Où t'as pas aimé ? Un pépère ? Oui, tu plains plus, hein ? Ou non, hein. Par contre, moi non plus, j'aime pas trop les dégâts que tu me mets, alors tu vas te calmer un peu les guiboles. Là, j'ai vu qu'il y avait ton pote en plus dans le coin. Oui, ça me parle, j'ai exactement le même tort, c'est moi pas le même, mais j'ai joué la même chose plusieurs fois. C'est les nouveaux objets de saison, c'est-à-dire ils ont tous un... Comment dire?
On va dire, avant, par exemple, tu ne pouvais pas avoir certaines affixes. Et sur cette rare-là, tu peux avoir des affixes un peu spéciales. Donc, ils sortent du commun. Voilà, Denios. D'ailleurs, c'est un item rare, basique, mais avec une affixe en plus qui, normalement, n'est pas possible. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple du torse. Genre, sur les torses, normalement, il était impossible d'avoir du mouvement speed. Et bien, sur celui-là, il se pourrait qu'il ait du mouvement speed. Voilà. Voilà pour la petite information. Et... J'espère que ceci t'a plu comme raisonnement. Après, c'est possible. C'est pas dire qu'il en a un. Et comme c'est un torse de saison, c'est possible qu'il ait. Alors, je pense que c'est con. Oui, Pao? De quel jeu qu'on parle? Là, c'était une petite question. La question a fait 2 lignes. Hein. J'avais dit pas plus de 5 mots. Hein. Comme quoi, qu'il m'écoute bien. Hein. Et quelle taille? 1,75 m. Il me concerne. Je ne suis pas grand. C'est normal. Je dis ça, hein, mais toutes les tailles sont normales. Hein. Quand je dis je suis normal, c'est pas méchamment pour ceux qui seraient plus grands ou plus petits. Hein. Juste que je pars du principe de Coluche. C'est-à-dire la bonne taille, c'est quand les 2 pieds touchent le sol. Ah, Denio, c'est pas normal. Il est trop grand. Faut bien rigoler. Bah, dis, Pao, 1,92 m. Et alors? Parce que comme j'ai dit, je le disais en rigolant tout à l'heure, mais j'ai bien dit, la bonne taille, c'est quand les 2 pieds touchent le sol. Hein. Après, j'avoue que moi, en tant que mec, hein, me retrouver avec une gonzesse qui est beaucoup plus grande que moi, c'est pas possible. J'ai du mal. Bon, le seul avantage, c'est pour reposer tes seins. Pour reposer ta tête, t'as les seins. Voilà, bon. À bonne hauteur, machin et tout. Mais sinon, moi je peux pas. Oui, ça c'est goût de ces histoires de préférence, hein, ça n'a rien à voir. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Non, ça me choque pas, j'en vois des femmes qui font 1,90 m, j'en connais même une qui fait 2 mètres. Je crois que c'est 1,99 pour être précis, mais comme je dis qu'elle faisait 2 mètres. Alors là-haut, il y a le point, mais j'ai pas réussi à l'activer. Qu'est-ce que je dois faire pour l'activer? Tu peux y aller, il y a matière. Eh bien, au moins tu te dis que tu as un gros avantage là-dessus. Elle fait quoi? C'est elle qui fait le vélo ou... Non, elle y va en voiture, elle. 2,08 m, tu m'étonnes, à la poste, ça doit être showtime quand même pour prendre le vélo.
Ouais, la bouillie à l'araignée est indispensable pour progresser, donc je sais pas quoi faire. Est-ce que le jeu pourrait m'indiquer ce que je dois faire, s'il vous plaît? On va attendre un peu, hein, parce que bah, je vais me faire une clope. Parce que là, je suis dans un moment où, bah, vous voyez, de temps en temps, on appuie sur Z et la carte, elle te montre un lieu à aller visiter. Et là, que dalle! C'est démerdoum zizish. Ouais, pas le choix, ça se comprend. On met 72 pour Ariane, tranquille. Maman Jenny n'a pas répondu, elle nous a pas donné sa taille, elle a peur. Ça, elle fait 1m60 et donc elle se dit, oh là là, je suis petite, il faut pas que je le dise. Et tout ce qui est grand est charmant, pas haut. Voilà. Là, tu peux le dire dans l'autre sens. Tout ce qui est petit est mignon, tout ce qui est grand est charmant. J'avais dit 1m60, hein, je suis pas loin. Hein. Ce qui est grand est sexy, ouais, tu peux le dire comme ça. Moi, je dis charmant. Grand, charmant, tu vois, ça rime. Elle dit 1m60, j'étais pas loin. Alors là, j'en profite pour discuter, parce que je me suis rendu compte que de temps en temps, le jeu te disait, quand tu foutais rien comme ça, que t'étais en mode, je me les glande, j'attends, il te dit, hé, du con, il y a un indice, fallait là-bas. On va attendre l'indice de du con, hein. Je sais pas du tout ce que je dois faire. Je m'attendais à ce que ce soit la porte qu'il y a au-dessus, là. On a vu là-haut, mais en fait, il faut utiliser le monorail, et je n'ai pas le monorail, donc pour l'instant, je suis bloqué. Ça voudra dire qu'il faudra que je revienne ici. Putain, je reviens là. Je sais pas où je dois aller là. Et ça, c'est chiant quand tu sais pas. Reste bien cette partie-là à faire, ok. Sachant qu'il me dit que la porte est débloquée. Je ne suis pas fou, elle est en vert. Non, la porte est débloquée, donc normalement, je devrais pouvoir y aller. Qu'est-ce que j'ai foutu comme bordel pour pas réussir à la ouvrir, moi? Disons l'abruti, vous connaissez. Il se rend compte 5 minutes après que, bah, en fait, il pouvait y aller, que c'était même prévu qu'il y aille. Faut être méchant, hein. C'est bison, quoi. Ils disent porte débloquée, c'est qu'à l'origine, elle est débloquée, hein. Elle est jouable, hein. On peut rentrer dedans. On peut ouvrir la première barrière, comme disait un certain comique. À une vieille époque. Ah, maintenant, je refais comment pour monter? Remettre le truc d'eau, là? Comme un bouffon, j'ai tout fait tomber. Si je remets pas les trucs d'eau, je peux pas remonter. On peut ouvrir.
Robert, vas-y, tu peux ouvrir la première barrière. Bah ouais, les gens, c'est pas des moutons, ils vont pas sauter par-dessus. Je crois que c'était un truc de genre qui sort. Ça marche plus. Donc faut que je trouve le moyen de remonter maintenant. Merde. Je suis tombé alors que je suis sûr qu'en fait il aurait fallu que j'aille là-haut pour avoir la boule araignée ou j'en sais rien. Moi il me dit que c'est débloqué, donc normalement j'y ai accès. Accès libre, c'est que je peux y aller. On va tenter là de remettre la boule là-dedans. Voilà, ça va remettre le niveau d'eau. Ce fait que je vais pouvoir l'utiliser pour monter. J'aurais pu faire de l'autre côté aussi. J'ai jamais fait de l'autre côté. Le niveau d'eau de l'autre côté. Qu'est-ce que ça fait ici ? Ah, mais c'est pas le niveau d'eau ici, c'est complètement différent, c'est un chemin. Ouais, je viens de récupérer 100 points de vie en plus. Attention, il tombe. But! Putain, heureusement que j'ai décidé d'aller voir, parce qu'en fait, je me faisais baiser. Là, je viens de récupérer 100 points de vie de plus. Eh, ça te change le jeu, 100 points de vie. Imaginez que les nombres de fois où je suis mort là dans les zones un peu plus loin, si j'avais eu 100 points de vie de plus, je ne serais pas mort. Je n'aurais pas mouru. Mais ouais. Comme quoi que hein, si j'étais un peu moins con. Non, c'est pas possible. Alors pas du tout, encore un speedrunner va te dire on s'en fout des 100 points de vie. Sérieux. C'est 100 points de vie, mais que tu vas pas changer ta vie, quoi. J'arrive, hein, le jeu, t'as besoin de 10 points de vie pour le faire. Speedrunner, quoi. Moi, je low run, moi. C'est ça, café. Bienvenue à toi parmi nous. Comment tu vas, Kiki? Mais le problème, c'est que si j'étais pas un noob, café, je serais trop bon pour toi. Tu comprendrais plus ce que je fais, donc. Et voilà, café. Réponse du berger. À la bergère. Bon, et toi, tu t'ouvres la porte, là, parce qu'on me dit que c'est ouvert, mais... Écoute, je vais bien, mon kiki. Attends, tout à l'heure, on me dit qu'elle était ouverte, et maintenant, on me dit accès libre. Donc, je peux rentrer. Laisse-moi entrer. Let the sunshine, là, ou je sais pas quoi, là, mais laisse-moi rentrer là-dedans. Ah bon, c'est sûr, tu sais faire que ça, vroom vroom camion tracteur, hein. D'ailleurs, café, j'ai une petite proposition à te faire. Alors, elle vient pas de moi, elle vient de Slider. C'est Slidy. Pas Slender, hein, Slider, le belge. Il voudrait se refaire un championnat de Fishing Planet. Est-ce que ça t'intéresserait? Alors, moi, j'ai dit non. Je me vois pas refaire ça. Toi, ça t'attire, hein, vois avec lui. La dernière fois, t'étais retourné dessus. Je te fous de ma gueule, toi. Je peux pas l'alimenter plus que ça, je suis dessus. Bah après, moi, si je le fais, c'est vraiment en commentateur et c'est vous qui vous amuserez à pêcher, quoi. Que j'ai fait avant, quoi, mais je sais pas si ça marche, si j'aurai encore le même délire qu'avant, quoi.
Sachant que lui, il aurait déjà à peu près 5-6 viewers qui seraient prêts à le faire, quoi. Moi, si je le fais, c'est juste pour commenter, quoi. Certain que c'est là-haut qu'il faut aller, mais j'arrive pas à atteindre le truc là-bas. Enfin voilà, c'est une petite idée qu'il m'a donnée. Hier j'ai été le voir vite fait après mon live, j'étais parlé un peu avec Slider. Il avait cette idée-là en tête, il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait? J'ai dit bof, moi je joue plus trop à phishing. Que toi tu étais retourné. En fait, à quoi ça sert ce truc araignée là? En fait, tu passes là, mais c'est juste pour te permettre d'aller là-haut plus vite. En lui-même, je vois pas l'intérêt parce que là, d'ici. On voit bien ici, il cache un machin ou je sais pas quoi, mais je le vois pas moi. Le circuit électromagnétique de mes fesses. Enfin, moi je veux bien faire une soirée comme ça, fishing. Ok Ariane, eh ben bonne soirée à toi, tu repasses quand tu veux, hein, ma beauté, vu que t'as décidé qu'il fallait t'appeler beauté. Hein. J'oublie de temps en temps. Voilà. Tu repasses quand tu veux, hein. C'est un grand plaisir. Et bonne chance pour tes dernières journées de travail. Je l'ai déjà fait dans le truc en bas. Faites ça, là, les trucs là, là que tu vois là, celui-là ainsi que l'autre de l'autre côté, permettent d'ouvrir les valves qu'il y avait en haut là. Elles sont déjà ouvertes les quatre valves. Non, faut trouver le moyen. Il me dit que c'est qu'on peut passer, accès libre, mais pour l'instant, j'ai pas le chemin. Oh, je viens de me péter la gueule comme une daube. Hein. On peut y retourner, tu vas voir que je pourrais rien faire. Non, ça marche plus, tu vois. Alors, je répète que c'est des bêtises, elle m'a jamais demandé de la plus beauté. Hein. Je sais même pas à quoi elle ressemble. C'est juste que j'avais envie de l'embêter tout à l'heure et je l'ai appelée beauté. Voilà. Et comme j'ai déjà dit, hein, de toute façon, toutes les femmes sont belles au vu d'une personne. Hein, aux yeux d'une personne. C'est la bonne personne qui le dira, mais toutes les femmes sont belles aux yeux d'une personne. Demande-lui si ça la dérange pas au moins. Moi ça ne l'a pas dérangé que je l'appelle beauté. Hein. Vers l'espace de tuyaux qui descendent. Mais il n'y a pas de tuyaux qui descendent. Et je peux pas l'activer l'endroit où les tuyaux descendent. Pourquoi tu t'ouvres pas? Tu me parles des tuyaux qui descendent, je suis sûr que tu me parles de ça là. Mais ça je ne peux pas le prendre. Il faut la boule araignée et je n'ai pas la boule araignée. Donc il faut que j'aille trouver la boule araignée. Ça, c'est pour refaire apparaître l'eau. Ça par exemple je peux pas le prendre. Et ben ça je peux pas, j'ai pas la boule araignée, donc faut que j'aille ailleurs. Je pense bien qu'il faut que j'aille ailleurs, mais j'aimerais bien que le jeu me dise où c'est que je dois aller, parce que là ça fait quand même 10 minutes qu'on tourne en rond et il est content de me laisser tourner comme un gros con. Moi le jeu il a compris que j'irai pas plus vite. Oh
Oh putain, non, pas lui. C'est le boss que j'ai mis 3 plombes à tuer hier. Voilà, ça c'est un boss, ça. Mais on peut se battre autant que tu veux, hein. Il est intuable ce machin. Oh, pleine tête. Dis bien quand tu veux. Oh, écoute, on n'a pas le temps de parler, hein, tu me fais chier. Salut, on se voit la semaine prochaine. Salut Sportex. T'inquiète, t'inquiète, je trouverai toujours le chemin. Et merci beaucoup. Ouais, ce soir, c'est Pass of Exile. J'aide un gars à PL son perso. Il l'a perdu en hardcore, donc il repart en softcore. Voilà. Ce soir, on se retrouve sur du Pass of Exile. Comme tous les soirs, genre. Ça, c'est que tout ça, j'ai déjà fait. On voit bien, j'ai fait toutes les pièces. On va sans doute falloir retourner au Magmar. On va aller en face, on va prendre le point de sauvegarde qui est en dessous et on va aller au Magmort pour voir si c'est pas là-bas. Tant que j'ai pas ni le grappin ni la boule, pour l'instant je vois pas d'endroit où je n'ai pas été. Attendez, je reviens, je vais vite fait me mettre à l'abri parce que bien sûr on sonne au moment où je suis avec des ennemis au cucu. Voilà, à tout de suite. J'en ai pour 2 secondes, hein. J'ouvre la porte à quelqu'un. Voilà, vous voyez, c'était pas long. La personne va venir, va frapper et va rentrer toute seule. Alors je me mets dans cette vue-là, c'est parce que cette vue-là, j'ai des choses que je ne voyais pas avant, comme ils disent. Là, on a avancé, parce qu'avant, j'avais pas tout ça. Donc, aujourd'hui, on a gagné pas mal de trucs, quoi. Là, la caverne du Magmor. Entre. Voilà, on avance un petit peu. Ce soir, t'es sur RE6 café. Bah, good luck. Tu veux que je cache la cam pour que tu puisses aller t'asseoir sur le canapé? Attendez, je vais mettre ma main devant la cam, ne vous inquiétez pas, vous verrez plus une horreur au moins pendant ce temps-là.
Voilà. Et comme ça, j'ai quelqu'un qui pourra vous dire les conneries que je fais en live. Directement. Toi, t'es pas habituel ici. Pas pourquoi, mais je sens que tu vas me faire chier, le pas beau. Imagine, t'étais pas là. Oh non, ouais, non, parce que j'ai retiré ma main, je sais, café, j'ai compris. Coune-moi ou pas, le mec, là, à se cacher derrière le ponton, là. Tu veux pas sortir un peu pour voir si t'as des coronesses, pépère? Mais dès que je les vise, ils se barrent, hein. Et de vous casser, venez vous battre un peu, les mecs. C'est qu'une gonzesse, hein, Samu. Vous êtes des mecs. June, c'est qu'une demoiselle, hein, si mes souvenirs sont exacts. Invité mystère, Riri. Non, non. Invité mystère, non. Mystérieux, si la personne veut dire son pseudo, peut dire son pseudo. Hein. Un d'entre vous connaissent son pseudo. Hein. Ont déjà vu sur le livre. Hein. Hmm. De quoi? La personne ne veut pas. Son droit. Hein. Ouais, si la personne a peur. Mais... Hey, t'es où toi? Tu me saoules. Ah oui, je sais que tu connais Riri, c'est ton pote à toi. Passe des soirées avec, café. Pas le droit, hein. C'est pas la personne que j'inviterai pour faire des soirées, mais si tu veux faire des soirées avec Riri. Toc, ça s'est fait dans les dents. Donc j'avais vu que là-bas il y avait un chemin que j'avais jamais été, donc le fait qu'ils font ça, ça m'a fait tomber, faut que j'y retourne. Voilà, voilà. Il y a un chemin au-dessus. Qui m'a fait tomber en me tirant dessus, le pas beau là. Café se venger, bon, il peut rien me faire. Au pire, il se croit drôle. Au mieux, bah non, rien. Ah, j'étais jamais bien dû ici. Le pont suspendu escamotable est opérationnel mais hors tension. Voilà. Ah mais en fait normalement j'aurais dû déjà venir ici avant d'aller là où j'ai été pour apprendre à le faire. Ouais, ok, on va dire que moi je fais pas le jeu dans l'ordre déjà. Ce qu'il faut y faire. J'aurais dû lire en fait. Ça n'a pas l'air de marcher. Hein. Pas grand chose. Là-bas, il y a un passage que je peux prendre avec la boule. Chercher la porte que j'ai pas prise déjà. Donc, je me fais mal. Hein. Bobo cucu. Hein. Mais c'est un pont escamotable, il est où le pont? Il partirait d'où ce pont? On va aller directement en face, je crois. Ou même pas. On va relire ce qu'il faut faire. On est un peu en abruti des fois. Vaut mieux s'assurer. Giro générateur standard, les courroies de ce générateur peuvent être actionnées par le biais d'une force rotatrice extrême. Une fois à l'intérieur de cette... Vous devez utiliser l'accélérateur de la roue morphing afin d'activer... Ouais, bah, c'est ce que j'ai fait, mais ça avait rien fait. Enfin, je peux bien appuyer sur le bouton 50 jours, hein.
Ça a pas l'air de changer grand chose, hein. On peut le laisser tourner, hein. J'ai vraiment l'impression que ça change que dalle. On va tenter d'aller en face. Là, c'est pas possible. Il manque un truc pour aller en face. Il manque un truc. Ça, j'ai déjà fait par là. Juste cette porte là-haut que j'ai pas encore été voir. Et d'ailleurs, il dit plus rien, café. Ah, mais c'est normal, il est en train d'appeler Riri pour préparer la soirée. Oui. Et que je dois aller. Allez, je vais me faire manger. Eh bah, bonne cuisine, hein, maman de génie. Amuse-toi bien. Cuisine bien. Ce soir, c'est bouillon. Très bon, un bouillon. Il est hors tension. Moi, je veux bien le remettre en tension. Mais j'ai pas encore trouvé comment faire. Eh ben bonne app et peut-être à ce soir, donc si tu viens pendant qu'il y aura du Pass of Exile. Ça va? Et je comprends pas le délire là, tu dois te servir de ça, mais j'arrête pas de l'appuyer sur le bouton. J'ai peut-être pas le truc assez puissant encore, faut se dire. Ça fait un peu loin quand même. Mais ici, il y a peut-être un endroit où se mettre en fait là avant d'y aller. On va retenter. Hein. Bon. Il n'y a pas d'endroit du tout où se mettre. Hein. Fais-toi la gueule et tais-toi. C'est le jeu qui te donne plus l'info de ce que tu dois faire, de l'endroit où tu dois aller. C'est super chiant. Quand ça te le fait, ça, moi je trouve ça chiant. Il devrait te le donner plus rapidement l'indice. Ils mettent vachement longtemps à te filer les indices quand même. Des fois c'est une demi-heure qu'ils vont te laisser, voire une heure poireauter, pour ensuite te dire en fait faut aller là-bas. C'est pas cool, dites-le nous plus tôt quoi. Mais là tu t'es foutu de moi, si tu t'ouvres pas quand je suis proche, tu t'ouvres quand je suis loin. Par là que je dois aller. Attends. Complètement paumé. Il est où le chemin pour l'ascenseur? Si, c'est au bout là. Je dois prendre ce chemin et aller tout au bout. Ça marche pas sur lui. En fou. Un peu de vie, donc. Comment on attend là-haut sans se faire. On va foncer. Hein. Ça marche aussi bien. Hein. Que de me faire chier à marcher. À trouver le chemin. Je sais que j'aurais pu passer par le chemin où il y a les gougoules. C'est chiant, en fait.
Coup de blaireau, je veux juste aller à l'ascenseur des fois qu'ils me disent de le chemin que je dois prendre, donc casse-toi. Merci. Alors les chemins des boules là, je les trouve pas extraordinairement bien pensés des fois. Voilà, la preuve. On y arrive. Yes. Là au bout, il n'y a rien. Non, on est d'accord, on avait été dans une salle. Fais voir la salle d'après. Ah si, y a un chemin que j'ai jamais vu au bout. On va aller voir. Là, t'as comment, votre chemin ? Drôle, vous ? D'accord, monorail. Ok, donc il me faut la boule araignée. Je ne l'ai pas encore. Ok, voilà pourquoi j'y ai pas été. Du jeu ? Oh non, non, je crois que je suis à 20%. Je suis à 6 heures de jeu, tout à l'heure il me marquait 20% quand j'ai lancé la sauvegarde. Mais c'est un jeu très long, hein, Metroid. Il est excellent. Très dur, mais bien. Bah, moi je dis qu'il est très dur. Il y en a qui vont suivre de moi parce qu'ils vont me dire qu'ils l'ont fini en une demi-heure le jeu. Quoi. Je crois que le record il est de 59 minutes. Record mondial sur le jeu. Je suis à 6 heures, je suis à 20%. Le mec qui voit ça, il pète un plomb en vrai. Donc vous apparaissez, il est pas beau là ? Merci. Vraiment pas beau. Je suis même pas obligé de les tuer en fait, ils sont devant moi et que j'en ai marre de voir leur gueule. Et si quelque chose apparaissait que je n'avais pas vu. Alors moi ce que j'ai jamais été c'est à la porte qui a tout là-haut, mais je vois que là il y a le grappin, donc à mon avis il faut passer par le grappin. À mon avis, hein, bon. Ouais non, le double saut me permet pas de l'atteindre. Là il y a l'espèce de plante de merde. Là, je pense que je vais aller sauvegarder parce que ouais, j'aurai pas le temps de faire grand chose de plus. La sauvegarde est là. Et le jeu ne m'a toujours pas dit où c'est que je devais aller. Hein. Vous remarquerez qu'il se fout bien de ma gueule. Hein. Le jeu aime bien me troller. Hein. Enfin, ça va pas tarder ouais, d'aller à la bouffe quand même. Hein. Il faut, hein, au bout d'un moment, café. Tout le monde a besoin de manger. Hein. Je ne suis pas un robot, je sais, ça te paraît bizarre, mais non, je n'en suis pas un. Ça, c'est mon vaisseau. On peut sauvegarder dessus directement. Bon bah c'est là-dessus que je vais m'arrêter, je vous dis donc à tout à l'heure 21h à peu près, environ, hein, il n'y a pas d'heure fixe, pour Pass of Exile, on continue l'aventure, on va s'amuser, on va faire les cons comme d'hab. Voilà voilà, je vous remercie à tous d'être venus, n'hésitez pas donc à repasser ce soir et quand vous le désirez. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon appétit et à bientôt tout le monde. Bisous bisous, petit jingle bien sûr avant de partir. Hein. Jingle. Bisous bisous.